toujours été de cette philosophie où en gros tu veux quelque chose, il faut te donner pour l'avoir, tu vois, genre rien ne tombe. Enfin tu vois, genre si tu veux un truc, il faut le mériter, il faut vraiment travailler dur et tout pour ça. Et je suis vraiment pas dans l'idée de ce truc où la vie de DJ c'est le truc genre ah ouais easy la semaine, le week-end tu fais la teuf. Non non, tu peux faire un peu la teuf et tout, mais surtout c'est genre la semaine c'est vraiment c'est vénère. En gros en soi, si je faisais genre un ratio horaire du salaire ou quoi, ça serait genre ah, je suis chinois quoi, tu vois. Mais c'est pas grave parce que tu le fais par amour de ce métier-là, par cette passion énorme, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs c'est une passion, tu vois, ce côté un peu destructeur, parce que tu travailles tellement que tu détruis un peu le corps, la santé, peut-être certaines relations, etc. Tu vois tout ça. Et du coup, ouais, il y a ce côté vraiment passionnel, tu vois, genre au sens vraiment étymologique du terme, la passion au sens la douleur, tu vois. Mais la bonne douleur, j'adore cette douleur. Mon côté sadomaso un peu. C'est un truc que je voulais donner avant un peu cette sensation de douleur, de. Pas de souffrance parce qu'il y avait aucun côté mélodrama, tu vois. Je veux dire, même si la musique pouvait sonner comme ça, c'était pas le cas. Enfin, dans l'état d'esprit. Maintenant, l'état d'esprit est encore plus ouvert, etc. Et l'idée que je veux véhiculer justement dans la musique est beaucoup plus bright, tu vois. Genre beaucoup plus lumineux, justement plus dans la. Moins dans quelque chose de sombre, même si ça peut m'arriver parce que j'aime bien aussi la cave, tu vois. Mais j'aime bien le côté très ouvert du truc, très. C'est on est être heureux de la vie, tu vois, genre le truc vraiment cool quoi. Donc c'est plus le côté aussi très intense des choses, tu vois, j'aime bien jouer avec cet aspect très rythmique du truc, machin, avoir cette transe un peu physique. Donc voilà, c'est tout ça, hein. Avoir cette fraîcheur de vie un peu, tu vois, ce côté c'est cool, tu vois, on est trop content, et avec cette intensité de ce dynamisme, tu vois, d'être toujours à fond, machin, de jamais faire, tu vois, genre sont molles, les trucs, non, à balle. J'ai toujours adoré cet aspect très drum, très dansant, très, entre guillemets, un peu sportif du truc, tu vois, genre très, très corporel. Et tu peux l'avoir aussi avec des éléments mélodiques, mais c'est surtout le rythme, la percussion, la batterie, etc. qui va te générer cette transe physique et corporelle. Et j'adore vraiment cet aspect-là, donc en effet, c'est un truc. Je peux pas te dire si techniquement justement ça vient en premier ou pas parce que c'est inconscient et sans doute au final, tu vois. Je pense que ça en tout cas, je sais pas si ça vient en premier, mais en tout cas c'est une partie sur laquelle j'apporte énormément d'importance et je passe énormément de temps parce que ouais, j'essaie de le mettre au centre du truc, mais jamais non plus, enfin pas que en tout cas, c'est jamais très rarement en tout cas le propos unique. J'aime bien justement. Et dans les deux cas, tu vois, genre que ce soit juste un truc très musical, entre guillemets, ou un truc très rythmique, j'aime bien que les deux un peu se côtoient, parce que pour moi, s'il y a à la fois la musique et rythmique, et la rythmique et musique, donc tu vois, il y a cette sorte de croisement entre les deux qui, je trouve, est assez. Enfin, la cohabitation me semblait assez évidente entre les deux. Voilà. Je trouve que la technique est au service de la créativité et l'inverse. Enfin, c'est-à-dire que sans un peu de technique, tu peux pas non plus retransmettre tes idées. De façon palpable et audible, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que je trouve que la technique en effet. En gros, disons que je m'attache pas à une technique psychorigide. Voilà. Là, déjà, je pense que la première donnée de cet algorithme, c'était le fait que je voulais vraiment bypasser un milliard d'étapes qui m'embêtaient avec les autres labels où tu n'as pas le contrôle, justement, et il y a beaucoup de temps. Déjà, premièrement, il y avait ce rapport au temps qui m'énervait vachement. J'étais un peu trop hyperactif du truc et ça m'énervait d'attendre, d'être un peu tributaire d'un jugement de notes, puis d'un autre, enfin, ça m'énervait. Donc, il y avait déjà ça. Et en plus, il y avait toute cette liberté artistique que tu peux avoir quand tu trouves la veste, c'est que tu fais tes propres choix, c'est-à-dire. Tu vas sortir les trucs que les gars t'ont dit non. Et c'est assez marrant justement parce que tu peux te dire ouais mais si de gros labels par exemple t'ont dit non, c'est parce que on peut se dire ils ont l'expérience, le truc, ça le fera pas. Et justement, là en l'occurrence sur le label, pour les deux premières sorties, c'est que des morceaux que des vraiment très gros labels m'ont refusé. Et au final, c'est les morceaux qui auront super bien marché, qui ont une super belle vie avec ce label qui justement n'avait aucune puissance, aucune. Genre on va dire médiatique particulière, il y avait rien quoi, c'est un truc tout neuf et au final donc ça montre bien que justement d'autres peuvent faire les erreurs et que en fait parfois c'est pas mal de bien suivre un peu son instinct et de le faire comme ça de façon très naturelle et fluide. Pour moi c'était vraiment une articulation, je m'en suis servi pour je voulais justement
faire cette, articuler un sorte de changement, un peu de musique, de son et tout, tout en, en essayant de garder une sorte de largeur, tu vois, de, un panorama un peu étendu, mais aussi de, voilà, de communiquer sur un changement, et c'était le meilleur moyen de le faire parce que du coup j'avais les mêmes, la même mise absolument sur tout, et ça me permettait de, voilà, d'engager c'est pas une métamorphose, parce qu'une métamorphose c'est un aspect un peu radical, là ça l'est pas, je pense pas que ça le soit du coup, vraiment, parce que j'essaye de garder des influences passées que j'utilisais avant, mais que je réutilise juste d'une autre façon, en piochant ailleurs, et ouais, en essayant de faire une sorte de sauce un peu personnelle, avec différentes influences passées, qui constituent en soi une minorité, mais et surtout avec une énorme influence nouvelle et future, en fait, que, des choses que j'ai découvertes qui m'ont hyper touché et dans lesquelles je me suis dit ok, ça m'intéresse à 70%, je vais prendre 70%, je vais prendre les 30% de l'autre et essayer de faire une sorte de me créer mon propre 100%, tu vois, voilà. Il y a le deuxième qui sort, ce sera le 25 mai, donc voilà, on est assez content, il y a l'air d'avoir un sort d'enthousiasme un peu égal par rapport au premier, donc c'est hyper touchant déjà et hyper rassurant aussi. Donc voilà, du coup le troisième arrivera en septembre, voilà, pour la rentrée. De toute façon là-bas c'est 4 par an, donc ça se verra toujours ce côté un peu ouais, tous les 3 mois, tu vois. Parce que ça se fait un peu trimestriel du truc, tac tac, il y aura une sortie quoi. Je dirais que le mot pour la fin, c'est assez cool qu'on ait fait l'interview dans cet endroit, parce que c'est un endroit dans lequel je passe énormément de temps et qui est assez important pour moi. C'est techniquement important, j'y passe toutes les semaines, c'est l'énorme partie de ma musique que je joue, genre vraiment peut-être 80% au moins vient d'ici, donc c'est vraiment c'est le donneur d'organes quoi, tu vois, ici, donc c'est vraiment, c'est cool qu'on ait pu le faire là et tout, c'est, il y a une sorte de dimension un peu plus spéciale et genre on est au bon endroit en fait. C'est parfait, voilà. Merci.